ne soit distrait, vraiment servant de l'Éternel. Si tu peux déverser ton onction sur le peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je voudrais recommander ce moment par un cantique, parce Amen. que souvent on le fait comme ça. On peut aussi, la parole de Dieu dit chanter, c'est prier aussi deux fois. Donc nous pouvons, je voudrais recommander ce moment par un cantique. Vraiment, un cantique de remerciement à Dieu. Parce que si nous sommes connectés, c'est la grâce de Dieu. Si nous sommes vivants, c'est la grâce de Dieu. Et si nous sommes connectés à ce Zoom, c'est la grâce de Dieu. Et si nous avons le prophète Emmanuel Nzoma, vraiment que Dieu a disposé, que Dieu a suscité pour ce merveilleux moment, vraiment pour encourager notre foi, pour que des malades soient guéris. Et si nous sommes connectés, je voudrais dire que beaucoup ont des témoignages. Alléluia. Beaucoup sont aussi là pour ils attendaient. Je crois qu'ils attendent que l'homme de Dieu va encore prophétiser, va encore prier. Oui, il n'y a pas de souci. Dieu l'a suscité pour ça. Il est disposé pour ça. Amen. Donc, je voudrais dire à tous ceux qui sont connectés à Zoom, au Facebook, peut-être au WhatsApp, je ne sais pas, à YouTube, que Dieu, le Dieu du prophète Emmanuel Nzoma, est toujours en mouvement. Il est Amen. omniscient, omnipotent, omniprésent. Ne te Merci. décourage pas. Même si tu ne Amen. vois pas la face du prophète, mais Mais il est là présent. Dieu est oui. présent avec lui dans le ministère par lequel Dieu l'a appelé. Garde la Amen. foi de savoir que le Dieu du prophète Emmanuel Nzoma est présent. Amen. Et il sait que tu es là. Et il connaît ta situation. Et il est au-dessus de ta situation. Il est au-dessus de ton problème. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi et si tu es connecté vraiment, prouve-moi que tu es là au nom de Jésus. Et j'aimerais chanter ce merveilleux cantique qui dit, Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Jésus-Christ, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es présent et tu es bon. Tu es vivant et tu es bon. Pour te glorifier, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Emmanuel, tu es bon. Dieu d'Abraham, tu es bon. Tu es vivant et tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu nous as appelés, tu es bon. Pour te glorifier, tu es bon. Emmanuel. Tu es bon, tu es bon pour moi. Oh Jésus-Christ, tu es bon, notre Sauveur, et tu es bon. Tu es adoré, tu es bon pour moi. Oh Jésus-Christ, tu es bon, tu es vivant et tu es bon. Tu es notre Seigneur et tu es bon pour moi. Alléluia, et tu es bon, tu es bon, et tu es bon, tu es bon, et tu es bon, tu es bon pour nous. Oh, tu es bon, et tu es bon, dans nos cœurs, et tu es bon, dans nos mains, et tu es bon pour nous, tu es bon, tu es bon, et tu es bon, dans nos cerveaux, et tu es bon. Sur nos pieds, tu es bon pour nous. Oh, dans nos vies spirituelles, tu es bon et tu es bon. Jésus-Christ.
Christ, tu es bon. Tu es bon pour nous, tu es bon. Dieu, tu es malade, tu es bon. Tu nous as guéris et tu es bon. Notre Dieu, et tu es bon. Tu es bon pour nous. Alléluia, et tu es bon. Alléluia, et yeah, alléluia, et tu es bon. Tu es bon pour nous. Oh, ce soir, et tu es bon. Glorifie ton nom, et tu es bon. Mon sauveur, et tu es bon. Tu es bon pour nous. Oh, Jésus-Christ, et tu es bon. Notre sauveur, et tu es bon. Tu es vivant, et tu es bon. Tu es bon pour nous. Oh, tombeau, et tu es bon. Tu veux nous chercher, et tu es bon. Et tu es bon pour nous. Alléluia, et tu es bon. Tu es vivant et oh, nous t'acclamons. Et tu es bon. Tu es bon pour nous. Oh, ton sang coule et ton sang coule. Oh, pour nous pardonner. Tu es bon. Tu es bon pour nous. Oui, ton sang coule et tu es bon pour nous laver. Oh, pour nous purifier, tu es bon, tu es bon pour nous. Oh, mon sauveur, oh, alléluia, et tu es bon, alléluia, et tu es bon pour nous. Oh, Jésus-Christ, tu es bon, notre sauveur, et tu es bon, oh, notre Seigneur, et tu es bon pour nous. Nous étions des malades et tu es bon. Tu nous as guéris et tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour nous. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon et tu es bon. Tu es bon et tu es bon. Tu es bon pour nous. Tu es bon. Nous voulons dire à notre Seigneur Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie, qu'il est bon. Mon frère, ma soeur, toi qui es connecté ce soir, alléluia, quel que soit le problème, mais si Dieu te fait grâce d'être connecté à ce Zoom, au travers du Dieu du prophète Emmanuel Nzoma, voudrais dire qu'il y a un miracle que Dieu a déjà même fait dans ta vie. Je voudrais encourager ta foi pour te dire que le Dieu du prophète Emmanuel Nzoma, s'il a perdu que tu sois, s'il a permis, je m'excuse, que tu sois connecté, voudrait dire que tu es déjà en possession de ton miracle. Il est venu encourager ta foi. Il est là pour encourager ta foi. Il ne fera pas, il a déjà fait. Quoi seulement, garde la foi. Je vais te dire la vérité. Dis-lui que tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Si j'ai la vie, tu es bon. Si je respire, tu es bon. Même si, même quel que soit ce que tu peux ressentir dans ton corps, dis-lui que tu es bon. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Alléluia. C'est la servante de Dieu qui m'a encouragée tout à l'heure. Parce que vraiment, ma gorge n'était pas... Ma gorge, si je regarde à ma gorge, je ne travaillerai pas. Mais je regarde à Jésus. Et je veux te dire, mon frère, ma soeur, toi qui es connecté, je t'en conjure. Je t'en conjure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fixe tes regards. D'où te vient le secours? Le secours ne vient de Jésus-Christ qui a fait les cieux et la terre. Il a dit que le ciel soit, le ciel fut, et nous voyons le ciel. Il a dit que la terre soit, la terre fut, et nous marchons sur la terre, qu'aucun homme ne peut mesurer, donner les limites. Alléluia. Amen. Les sages de ce monde ont tout fait pour dire, on s'en va toucher le ciel, on s'en va trouver Dieu. Personne. Personne n'a pu. Mais toi, tu peux toucher Dieu par ta foi. Amen. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Je suis là pour t'encourager à te dire, touche Dieu, touche le cœur de Dieu ce soir par ta foi. Alléluia. Amen. Touche le cœur de Dieu ce soir par ta foi. Dis-lui que Seigneur, tu es bon. Tu es bon parce que tu es au-dessus de cette maladie.
qui croit régner, qui croit dominer mon corps. Dis à Jésus, je sais que tu es bon et tu es au-dessus, tu es plus grand, tu es plus fort que la tradition de ma famille, que la religion qui croyait me gérer. Tu es au-dessus, Jésus-Christ est au-dessus de nos traditions, des tribus, des clans, de nos ethnies, de nos origines. Jésus-Christ est au-dessus des hôtels qui croyaient gérer nos vies et même nos familles. Et il nous a suscité, un fils de sa maison, un fils selon son cœur, le prophète Emmanuel Nzoma. Il lui a donné cette recommandation: va et parle aux ossements desséchés. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Et je viens te dire la vérité. Je t'en conjure, mon frère, ma soeur. Si tu croyais que tu étais ossement desséché, je t'assure, tu vas recevoir la vie. Tu vas recevoir la résurrection, parce que la résurrection, l'onction de la résurrection par le sang de Jésus-Christ est disposée pour toi et pour moi et pour nos familles qui ne sont même pas connectées, parce qu'au travers de nous, nos familles reçoivent cette même vie en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je t'en conjure, garde ta foi. Garde ta foi, je te le dis. Je suis là pour t'encourager. Le Dieu du prophète Emmanuel Nzoma, le Dieu qui répond par le feu, le Dieu qui n'a peur de personne, quand il t'a choisi, il n'a pas demandé la permission ni de ton père, ni de ta mère, ni de toi-même. C'était juste pour nous montrer combien de fois nous sommes sous son contrôle, quels que soient les manigances du diable. Jésus a déjà vaincu l'enfer. Il a déjà vaincu l'enfer. Que l'enfer ne nous intimide pas. Que l'enfer ne nous intimide point. Que la sorcellerie ne nous intimide point. Que la mort ne t'intimide pas. Parce qu'il a vaincu la mort et le séjour des morts au nom puissant de Jésus-Christ. Et il pouvait dire, écoute-moi bien, que la mort et le séjour des morts ne vont pas prévaloir contre toi et moi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que Jésus-Christ a vaincu la mort et le séjour des morts. Alléluia. Amen. Il est présent. Il est vivant ce soir. C'est grâce à lui que nous sommes connectés à ce Zoom, au Facebook, à YouTube. Il est présent. Il est tout puissant. Et ce soir, il veut encore te montrer: ne crains rien. Ne sois pas dans l'intimidation. Ne sois pas troublé. Parce que Jésus-Christ a déjà troublé ce qui veut te troubler ou ce qui a voulu te troubler est déjà troublé. Est-ce que tu me suis? Je suis venu te dire ce soir, Jésus-Christ a déjà troublé le troubleur qui croyait te troubler. Merci Seigneur pour cette révélation. Alléluia. Je vais te le dire, que le Tout-Puissant, le Dieu qui répond par le feu, le Dieu du prophète Emmanuel Nzoma, nous sommes connectés sous son onction. Il a déjà troublé. Il a dit que ton cœur ne se trouble point haut. Mon frère, ma soeur, quelle que soit la situation, même si tu es au chômage, je te dis, je t'en conjure, que tu es dans le temps de la résurrection, tu es dans le temps de la visitation. Dieu a décidé de te visiter, de me visiter, de visiter ma famille, de visiter ta famille. Je t'en conjure. Dans Jean 15, je crois, ou dans Jean 14. Servant de Dieu, tu peux me trouver ce verset biblique-là, s'il te plaît. Jean chapitre, je crois, 15, chapitre 14, hein, ou 15. Mm-hmm. S'il te plaît. Ça dit quoi? Là où Jésus parle. Attends, merci.
Merci. Oh. Il dit dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, il faut noter. Parce qu'on est à l'école. Quand l'homme de Dieu travaille, c'est comme si tu es en classe. Tu amènes ta Bible, ton bic et ton cahier. Parce que tu es à l'école. Quand tu finis de recevoir les notes et tout ça, les leçons, quand tu arrives à la maison, tu étudies. Alléluia. Nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Jean chapitre 14 nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui nous dit de croire en lui et de croire en ce que Dieu, son Père, a fait au travers de lui. Et ce soir, croyons au Dieu du prophète Emmanuel Nzoma. Et ce que Dieu a dit dans ta vie au travers du prophète Emmanuel Nzoma, qui a la bouche autorisée, crois en cette prophétie, même s'il n'a pas encore dit quoi que ce soit sur toi. Je t'en conjure, ce que tu as reçu, qu'on a dit sur l'autre, toi aussi tu peux saisir ça et crois que ça va, Dieu va le faire dans ta vie. Si on a prié pour l'autre qui est malade et que toi aussi tu es malade, c'est pas parce qu'on n'a pas dit ton nom qui veut dire qu'il n'a pas parlé sur ta vie. Oh. S'il te plaît, c'est pour te dire ce soir que ton cœur ne se trouble point. Pourquoi? Parce que celui qui croyait te troubler, il est déjà troublé. Le troubleur est troublé par celui qui est au-dessus du troubleur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ton cœur ne se trouble point. Parce que si ton cœur est troublé, voudrait dire que tu as ouvert une porte qui laisse au diable de venir troubler ta vie. Alors que Jésus-Christ est le grand troubleur. Il sait troubler les troubleurs. Et il va le troubler ce soir. Jésus va troubler la situation qui te trouble. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prophétise que le troubleur est troublé. Et il sera bien troublé jusqu'à te fuir et te laisser tranquille. Et s'il t'a volé quelque chose, il va te laisser ta bénédiction. Parce qu'en Égypte, quand Dieu a dit à Moïse, au dixième plaie, de prendre le sang de Jésus qui symbolisait le sang des animaux, il fallait que le peuple soit délivré. Et quand il fallait que le peuple parte, Pharaon lui-même a dit à Moïse, « Et toi-même et ton peuple, allez-y. Et vous n'allez pas partir comme ça. On va vous donner vos bénédictions. Je te dis la vérité. Le vrai troubleur, Jésus s'est troublé les troubleurs. Et quand celui qui trouble ta vie, verra que là, il n'a plus de place, il va partir. Et s'il te doit la bénédiction, il va te laisser la bénédiction. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Parce que le Dieu en qui j'ai cru, c'est le Dieu de maintenant. C'est le Dieu de maintenant. Il s'appelle Je suis. Il avait dit à Moïse, va dire à mon peuple de ne plus être troublé parce que le Je suis est là, présent. Il n'est pas le Dieu d'hier. Il est le Dieu de maintenant. Hier, il est le Dieu de maintenant. Je vous dis la vérité. Je nous dis la vérité. Il est le Dieu de maintenant. Il s'appelle Je suis. Même si c'est hier. N'est-ce pas, il dit, il est le même qu'il est aujourd'hui éternellement. Il s'appelle toujours Je suis. Quand vendredi, ce sera demain. Quand vendredi va arriver, il faut lui dire Je suis. Il s'appelle Je suis. Il est toujours maintenant. Il est toujours tout de suite. Il est venu troubler. Il est venu pour troubler la situation qui te trouble. Le Dieu du prophète Emmanuel Nzoma est là pour troubler la situation qui te trouble. Parce que c'est lui le meilleur troubleur. Quand il se lève, le trouble s'enfuit. S'il est venu par un chemin, il va s'enfuir par sept chemins et il va laisser tes bénédictions. Je t'en conjure, crois en cette parole que je libère ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce que je dois laisser la place au pasteur Justine. Alléluia. Amen.
Alléluia. Si tu m'entends ce soir, je crois que Dieu t'a déjà parlé. Il est bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Continue de dire, tu es bon, Seigneur. Tu es bon parce que, alléluia, au nom de Jésus, Seigneur, oh, s'il y avait un songe, s'il y avait un démon qui était toujours là, à chaque fois qu'il sait que tu t'en vas dormir, même si tu as prié, il sait que là, je m'en vais maintenant le troubler. Oh, ce démon ce soir, et maintenant même, il prend ses clics et claques et il s'enfuit parce que le meilleur troubleur, hein, qui s'appelle le Dieu du prophète Emmanuel Zoma, le Dieu qui répond par le feu, il est déjà en scène pour troubler le célibat dans ta vie, parce que tu ne vas plus vivre célibataire. Mais ne laisse pas le troubleur venir encore troubler ta vie. Ne lui ouvre plus des portes. Je t'en supplie, si tu n'es pas marié, que tu es célibataire, ferme le corps. Je ne vais pas dire ferme. Si, je t'en supplie, parce que le troubleur, le meilleur troubleur qui est Jésus, va maintenant troubler, oh, ce démon de fornication, ce démon d'adultère. Et si tu es marié, sois en accord avec ta femme et ton mari, pour que le troubleur qui voulait troubler ton foyer, qui voulait dribbler ton foyer, qui voulait te séparer de ta femme ou de ton mari, oh, que le troubleur fuit par cette chemin. Si tu es chômeur, je te dis la vérité, le troubleur est descendu. Le meilleur troubleur, qui s'appelle le Dieu du prophète Emmanuel Zoma, qui répond par le feu. Oh, il dit ce soir au chômage, prends tes clics et claques et pars. Il prend cette chemin, il fuit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce soir? Le troubleur, le meilleur troubleur qui s'est troublé des situations est déjà en scène. C'est le Dieu du prophète Emmanuel Zoma. Il est là pour troubler ta situation afin que tout ce que l'homme de Dieu avait déjà fait depuis de quelques mois aujourd'hui jusqu'à maintenant, on est sorti du travail de 5 jours quand. Je te dis la vérité. Nos familles, nous sommes la délivrance de nos familles. Toi-même et nos familles, le troubleur, le meilleur troubleur, qui est le Dieu qui répond par le feu, le Dieu du prophète Emmanuel Zoma, il est descendu pour délivrer nos familles de la mort, pour délivrer nos familles des fausses origines, pour nous délivrer, pour ramener les bénitions qui étaient stagnées au deuxième ciel, les bénitions que le roi de Perse a arrêtées au deuxième ciel. De les faire descendre jusqu'à toi. Je ne sais pas quelle bénédiction tu veux. Et le Dieu du prophète Emmanuel Zoma est plus fort que tous ces dieux-là pour faire descendre ta bénédiction jusqu'à toi. Donc, positionne-toi bien. Prends une meilleure position comme Habakkouk. Prends une meilleure position, s'il te plaît. Ne laisse pas le troubleur venir encore te troubler. Te dit, comme la prophétie t'a dit, je ne veux plus attendre. Attends la prophétie dans les jeûnes, attends la prophétie en faisant des offrandes, des dîmes, des semences au ministère de l'homme de Dieu. Je t'en supplie. Alléluia. Je suis venu te dire ce que moi je fais. Oh. Parce que j'ai plein de témoignages. Le pasteur Justine que vous entendez, elle est témoin de ce que je raconte. Parce que je ne vais pas monopoliser la parole. Je vous dis la vérité, j'encourage votre foi. Je nous en supplie. Le prophète a déjà, Dieu l'a déjà utilisé. Dieu l'utilise encore et encore. Il a prophétisé sur toi. Si tu ne vois pas encore la prophétie s'accomplir, reste en prière. Prends la meilleure position, soit à ton poste de prière, d'intercession, de semer, de donner les offrandes et des dîmes, de semer, de dire, Seigneur, voici ma semence, voici mon sacrifice, je veux voir mon miracle s'accomplir. Yes. Ne cherche pas d'autre voie. Ne cherche pas d'autre voie pour que tu ne pèses pas contre l'homme de Dieu, pour que tu ne dises pas que, mais il a prophétisé sur moi, j'ai fait le franc et tout ça, je ne vois rien. Non, ce n'est pas le prophète qui va faire en sorte que ta prophétie s'accomplit, c'est toi-même.
C'est ta foi avec Dieu. C'est ta foi avec Dieu qui va ramener la prophétie à l'accomplissement immédiat. C'est ta foi avec Dieu. Continue. Garde la foi en Jésus. Fixe tes regards vers Jésus et non sur le prophète Emmanuel Nzoma. Il fait ce que lui, il obéit à la voix de Dieu. Toi aussi, obéis. Obéis à la voix de ton Dieu. Et tu verras Deutéronome 28, du verset 1 à 14. Les meilleures bénédictions qui sont là, citées à Deutéronome 28, du verset 1 à 14, vont s'accomplir. Si tu es chômeur, tu verras. Si tu es célibataire, Dieu va citer un bon mari. Si tu es un homme, Dieu va citer une bonne femme. Si tu es une femme, Dieu va citer un bon mari. Si tu es dans le couple et qu'il n'y a pas d'enfant, Dieu va envoyer Isaac, il va envoyer l'ange. Et l'ange va rentrer dans ton ventre. Et tu vas enfanter Isaac, ou bien Daniel, ou bien Samuel, ou bien Ézéchiel, ou bien Esther, ou bien Ruth. Alléluia! S'il n'y a pas, si l'entreprise ne marche pas, Dieu va susciter des bonnes connexions en or pour venir t'apporter des finances. Je t'en supplie. Donc, je te laisse avec cette parole pour te dire, ne laisse pas le faux troubleur venir encore troubler ta vie, ni troubler tes pensées, ni troubler tes oreilles, ni troubler ton cœur. Parce que Jésus-Christ est le meilleur troubleur, qui s'est troublé, celui qui croyait te troubler. Donc, attache-toi à Jésus. Attache-toi à Jésus-Christ de Nazareth. Attache-toi au Dieu du prophète Emmanuel Nzoma. Et peut-être le mois d'avril, le quatrième mois, la résurrection continue. Le quatrième mois, c'est l'alliance avec Dieu. Et si Dieu voit que ton cœur est tout entier à lui, je te dis la vérité, le mois d'avril ne finira pas. Tu verras la gloire de Dieu. La prophétie va s'accomplir. Tout dépend de la manière donc tu vas te positionner ou t'asseoir ou marcher. Donc je te laisse. Je nous laisse. Je vais donner la parole. Je vais donner le reste au pasteur Justine qui va continuer avec nous. Merci. Soyons abondamment bénis. Et que nos cœurs, nos âmes, nos esprits, nos oreilles soient connectés au Saint-Esprit, au Dieu du prophète Emmanuel Nzoma ce soir. Laissons le Saint-Esprit travailler. Au nom de Jésus. Amen. Pasteur. Amen, amen. Amen, amen, amen. À vous la parole. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore dans le nom de Jésus-Christ. Je rappelle que nous sommes vraiment heureux de nous retrouver pour la prière. Et nous avons commencé ce temps, je crois qu'aujourd'hui à 15h, et nous continuons. C'est un programme qui sera long. Alors, la servante Dieu vient de nous donner une exhortation. Elle a introduit par là. Et j'aimerais que nous puissions vraiment prier pendant quelques minutes. La Bible dit, Dieu dit à Jérémie, dans le livre de Jérémie 1, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alléluia. Amen. Dieu dit à Jérémie, je t'établis sur les nations et sur les royaumes, pour que tu détruises, que tu abattes, que tu ruines et que tu plantes. Nous venons d'entendre que les troubleurs qui nous troublent, c'est qui les troubleurs? Bien aimé, il y a un programme qui a été donné. Le prophète a fait un grand travail qui nous a introduit dans la prière et c'est pourquoi nous continuons dans la prière. Le Seigneur nous parle de la persévérance et nous allons persévérer. Ce sont ceux qui persévèrent qui obtiennent ce qu'ils attendent de la part du Seigneur. Je veux vraiment t'encourager à persévérer, à ne pas te décourager. Dans le livre de Néhémie, la Bible dit que pendant que Néhémie commence le travail de la reconstruction des murailles de Jérusalem. Les ennemis se sont levés. Il y avait Sambalat, Tobija, les Ammonites et autres qui se sont levés pour dire, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là?
mais empêchons-la de faire ce qu'ils font. Empêchons-les de reconstruire les murailles. Empêchons-les. Donc, ils ont utilisé toutes les stratégies qu'il fallait pour empêcher les enfants d'Israël de reconstruire les murailles. Bien-aimés, à l'époque, c'était les murailles physiques qui leur servaient de protection. Mais de nos jours, les murailles, les murs brisés de nos vies que l'ennemi est venu toucher, nous sommes en train de les reconstruire par l'homme de Dieu, le prophète Emmanuel Nzoma. C'est-à-dire que nous ne le laissons pas construire seul. Nous tous, nous faisons partie de cette reconstruction, c'est-à-dire chacun, quand vous lisez le livre de Néhémie, comment ils étaient placés, chacun à son poste pour sa famille. Ici, c'est la délivrance des familles. Je voudrais nous exhorter à ce que nous puissions nous lever. Dieu dit, Dieu te dit ce soir, je t'établis sur les nations et sur les royaumes. C'est quoi les nations que tu dois ruiner, que tu dois détruire, que tu dois abattre? Ce sont ceux-là des troubleurs. C'est ceux-là des troubleurs. On est sur la délivrance des familles. Pourquoi la délivrance des familles? Parce que nous avons vu beaucoup de choses avec le prophète. Nous avons vu qu'il y a des choses que nos parents ont fait avant même notre naissance, qui nous ont rattrapés aujourd'hui, qui nous ont poursuivis, qui ont laissé des marques, des choses, ces choses qui nous bloquent. Un travail a commencé, mais nous devons poursuivre dans la persévérance. Tant que je n'ai pas encore vu, je dois persévérer jusqu'à obtenir ce que je veux. Alléluia. Le terrain est déjà travaillé. Maintenant, nous poursuivons en persévérant dans la prière, comme cette femme avait perturbé le juge unique. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais que tu te lèves. Tu vas commencer à faire la guerre, à détruire les troubleurs. Il y a les esprits qui s'opposent à ta bénédiction. C'est-à-dire qu'il y a un fondement qui a été bâti. Il y a des choses que Dieu a fait dans nos vies à travers son serviteur. Mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a les esprits de poursuite qui viennent toujours se troubler, qui vont te rappeler, qui vont mettre le doute, ils vont mettre l'incrédulité. Ils vont dire que mais il n'y a rien, rien ne se passe. Il y a les esprits de réclamation qui sont... Le diable ne dort pas. Il ne dort pas. Tu vas te lever ce soir et tu vas commencer à repousser les esprits de réclamation. Tu vas commencer à repousser les esprits familiaux, c'est-à-dire les esprits familiales. Tu vas commencer à repousser ces troubleurs qui troublent ta vie, qui t'empêchent d'arriver à ta destinée. Est-ce que tu peux élever la voix ce soir? Tu es Jérémie avec autorité. Détruis-les. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel notre Dieu ce soir, nous venons te bénir, nous venons te rendre gloire, Seigneur. Seigneur, tu as tout accompli à la croix de Golgotha. Tu nous as donné le pouvoir de détruire la bague de ruiner. Et ce soir, Seigneur, nous nous tenons compte des esprits de poursuite. Nous nous tenons compte des esprits de réclamation ce soir. Au nom de Jésus-Christ, les Sambala, les Domidja, les Amoun, ceux qui viennent de nos familles, Seigneur, qui nous disent qu'on n'y arrivera pas, qui court après nous, Seigneur. Ce soir, je viens détruire, je viens déstabiliser tout mauvais programme au nom de Jésus-Christ, tout esprit familial, tout esprit de poursuite, tout esprit de contrôle. Je viens les chasser ce soir. Je viens déstabiliser leur programme. Je viens les arrêter maintenant. Je viens arrêter. Je viens stopper leur action ce soir au nom de Jésus, dans la vie de ton peuple. Je viens chasser les esprits de poursuite. Je viens déstabiliser tout programme maléfique contre de tes enfants, contre ton peuple, Seigneur. Je viens arrêter maintenant leur Seigneur, leur poursuite. Je l'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis leur plan. Je détruis leur projet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le sang de Jésus, je te commande de quitter les familles. Je te commande de libérer les familles. Je te commande de libérer les vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te dédie, Seigneur,
notre vie, de nous poursuivre, de nous attaquer par des maladies. Je viens te détruire, déstabiliser tout programme de l'ennemi. Je viens chasser ces esprits qui viennent de l'enfer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ribaya kantoko sekira bababa. Rabababa ya kantoko saka bababa. J'ordonne un mandat d'arrêt à tout esprit de poursuite, à tout esprit de réclamation. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je viens déstabiliser leur plan. Je viens les chasser dans le nom de Jésus. Je dis, prenez vos bagages et repartez. Repartez dans le plus profond des abîmes. Je commande au mois d'avril. Je dis au mois d'avril. Je donne les ordres au mois d'avril. Moi, David, les malheurs pour le diable à manigancer l'avance au nom de Jésus. Je moi aussi, j'ai dépensé le roi. J'ai dépensé le roi avant que le mois d'avril arrive. J'ai commandé au mois d'avril au nom de Jésus. D'humilier la mort, d'humilier la misère, la pauvreté, d'humilier au nom de Jésus. D'humilier les malheurs sont anéantis dans ma famille, en ce qui me concerne, en ce qui concerne ma famille. Les malheurs sont vaincus. Les malheurs sont vaincus. Les malheurs sont vaincus, le chômage est vaincu, la misère est vaincue, la pauvreté est vaincue, au nom puissant de Jésus. Ah Seigneur, les ennemis ferment entre eux-mêmes, Seigneur, que les ennemis de ma famille s'entretuent entre eux-mêmes, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Nous paralysons leur action au nom de Jésus. Seigneur, nous allons chasser l'esprit de mort. Nous allons démêler l'esprit de mort. Sans paralyser, sans neutraliser, sans foudroyer. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, les plans de mort. Nous allons briser l'esprit de mort. Nous allons chasser l'esprit de mort. Nous allons briser cet esprit. Nous allons briser tout plan de mort contre les familles. La famille de mon frère, la famille de ma soeur, nos familles. Nous allons déstabiliser tout plan de l'ennemi, tout plan de mort. Mort par accident, mort par maladie, mort par les crises cardiaques, mort par, je ne sais pas, tout esprit de mort qui s'est lancé contre le peuple de Dieu, contre les peuples, les âmes qui doivent être sauvées. Nous allons renverser tous les plans de mort. La Bible déclare, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité, mais il enfante le néant. Nous allons interdire la mort dans nos familles. Nous allons interdire la mort dans les familles. Nous allons interdire les maladies. Nous allons interdire les choses bizarres, les accidents, au nom de Jésus. Seigneur, je déclare l'avortement, l'avortement dans le monde spirituel et dans le monde physique. Seigneur, au nom de Jésus, l'enfer n'a pas la même mise dans ma vie, dans ma famille, dans mes projets, dans mes affaires, par le feu, par le feu. J'envoie le feu contre l'enfer, contre l'enfer et ses agents dans le monde spirituel. J'envoie le feu au nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus paralyse l'enfer et ses agents engloutissent pour qu'on ait la paix dans la ruine, dans la ruine, au nom puissant de Jésus. Nous te représentons nos familles, nous détruisons les plantes de mort, nous chassons les plantes de mort, nous frisons les plantes de mort, nous détruisons les plantes de mort, nous faisons les actions de mort, nous faisons les intentions. Je viens renverser les projets de l'ennemi. Seigneur, je viens renverser tous ces plans. Je viens renverser tout ce qu'on a grandi à pour bien maléfique contre les familles. Retourne en enfer. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il m'a sonné le pacaïa. Robo chendre baba. Ma sanda karaba. Robo chendre bébé. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, éternel de l'Esprit, Seigneur, au nom puissant de Jésus, Seigneur, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, dans leur projet, dans leur programme, dans leur programme, la confusion, les ennemis de ma famille, la confusion, la confusion de tout, je libère les familles, au nom puissant de Jésus, je libère les familles, Seigneur, je libère les familles, 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 je libère les familles,
déterminer ces œuvres. Je libère les familles de la mort, ni par la mort, ni par le monde que pour un Dieu tragique, ni par les attaques mystiques, ni par les enlèvements. Seigneur, au nom puissant de Jésus, ni par les morts, par les incidents, c'est la tragédie. Jamais, je dis jamais, le sang de Jésus paralyse ces faux dieux-là. Le sang de Jésus paralyse les anéantis. Seigneur, les hôtels de mort, les hôtels de sacrifice, les hôtels de sacrifice, le renfort de promotorie, les hôtels, Seigneur, des tueries, les hôtels, Seigneur, des esprits vampires, les vampires, les esprits de vampires. Seigneur, plein de feu, dans ma famille, plein de feu dans ma famille. Ceux qui boivent le sang humain, ceux qui mangent humain dans ma famille, expose-les, libère des biens déshabillés, publiquement en spectacle, démasqués, Père, qu'ils soient frappés, Seigneur, par la fatigue, par le sommet de la mort, par la fatigue, Père, au nom puissant de Jésus, à chaque fois qu'ils planifient les choses, Seigneur, pour faire du mal, qu'ils entendent le néant, J'aimerais que nous puissions élever nos voix pour mettre le sang de Jésus-Christ comme nous voyons lorsque l'ange de la mort frappait l'Égypte. Dieu avait demandé à Moïse de tuer l'agneau et de prendre le sang de l'agneau et le mettre sur les linteaux des maisons de chaque enfant d'Israël. Et c'est pourquoi les malédictions qui tombaient en Israël ne touchaient pas les enfants d'Israël. Nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ sur les familles, invoquer le sang de Jésus-Christ sur le peuple qui appartient à Dieu, invoquer le sang de Jésus-Christ sur le peuple au nom de Jésus, sur nos nations, au nom de Jésus. Nous rappelons que le sang a déjà coulé. Nous rappelons que le sang de Jésus a déjà coulé. Oh Seigneur, Seigneur, couvre ma famille, de près et de loin,
partout où ils sont. Le sang de Jésus. Ouvre le ministère de Jésus. Ouvre, Seigneur, le ministère du prophète Emmanuel en ce moment. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Du sang de Jésus, couvre le prophète Emmanuel Thomas. Du sang de Jésus, du sang de Jésus, de la présence de la plénitude du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus, de là où il est Père. Ah Seigneur, Robo Chendere Baba, Iba Sondro Bakayabasa, Robo Chendere Baba, Iba Sondro Bakayabasa. Alléluia, servant de l'Éternel, je crois que nous allons arrêter, il est 23h. Nous nous retrouvons pour ceux qui sont connectés. N'oublions pas que sur Facebook, le programme continue à 15h. J'entendais le prophète dire que même si tu es au travail, les gens qui sont au travail, on peut se connecter, même si on ne commande pas, ou bien on peut se connecter et suivre. Vraiment, c'est le temps. Il a parlé des heures prophétiques, 15h. C'est vraiment une heure prophétique. Les heures qu'il a données là, c'est les heures prophétiques, les heures stratégiques même. Où Dieu, il a parlé que les anges, il y a certains anges qui travaillent à certaines heures. C'est pourquoi il a donné ce programme. Et je voudrais vraiment nous encourager à nous connecter à 15 heures. Si tu es dans le lieu de travail, connecte-toi sagement sans plus attirer l'attention du patron ou des collègues. Bon. Et voilà. Et aussi, nous nous retrouvons, je crois, demain vendredi, nous nous retrouvons à 21h. Je pense que c'est ça le programme. Amen, 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 amen. Je rappelle qu'on ne va pas tirer tous les jours parce que c'est un long programme, bien-aimé. Nous persévérons dans la prière pour obtenir ce que nous attendons de Dieu. On aura le temps de vous parler de ça parce que Dieu a déjà fait. Mais si nous ne mettons pas les anges en mouvement, on va attendre alors que Dieu a déjà fait. Il faut que nous, par la prière, on aille chercher ce qui est déjà là. Souvenons-nous de l'histoire de Daniel. C'était déjà la sortie des enfants d'Israël de Babylone. Mais Daniel s'est rappelé qu'il fallait faire 70 années à Babylone. Après les 70 années, c'était la libération des enfants d'Israël. Mais il y a un problème. Il y a beaucoup qui dormaient. Mais Daniel ne dormait pas. Daniel avait découvert que le temps était arrivé que le peuple sorte de la captivité à Babylone. Et Daniel a fait quoi? Il est monté à la montagne de prière. Et pendant que Daniel priait, la Bible dit que le diable est venu au deuxième ciel, bloquer la bénédiction, bloquer la délivrance, la libération des enfants d'Israël. Daniel, lui, priait. Mais Daniel a persévéré dans la prière. C'est comme ça que Dieu a dépêché un ange qu'on appelle Michaël, qui est venu fouetter, qui est venu balayer le diable qui était bloqué au deuxième ciel. Amen. Nos prières mettent en action les anges qui opère en notre faveur dans chaque domaine de nos vies. C'est ce que l'homme de Dieu a expliqué hier. Vraiment, je nous encourage à nous connecter. Si tu ne peux pas te connecter à 15h, connecte-toi à 21h. Donc, l'homme de Dieu va encore, le prophète va encore, tu as donné le programme, demain, il va toujours rappeler. Donc, vraiment, je vous embrasse. Que le Seigneur bénisse chaque personne, chacune des personnes qui étaient connectées. Il y en a qui ne sont pas sur Zoom, mais qui sont sur Facebook, certainement. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier. Seigneur, le Dieu du prophète Emmanuel Nzoma, nous te bénissons ce soir. Nous te rendons gloire. Le Dieu qui nous bénit. Ce soir, Père éternel, vous priez. Nous te disons merci pour ces temps de prière, Seigneur. Seigneur, nous te recommandons la suite du travail afin que, Seigneur, tu puisses, éternel, disposer ton peuple. Seigneur, qui a besoin de vivre la gloire de Dieu. Et tu nous apprends, Seigneur, que si nous ne prions pas, nous allons rester là, tourner toujours autour du pot, autour d'une seule montagne. Seigneur, parce qu'on n'est pas allé chercher dans la persévérance ce que nous attendons de toi. Père éternel, je prie afin que ta main soit sur le peuple, Seigneur.
que ta main soit sur ton, sur les familles que nous t'avons présentées ce soir, notre Seigneur, notre Dieu. Seigneur, bénis ton peuple, bénis, Seigneur, cette nuit et bénis, Seigneur, oh Dieu, la journée de vendredi, la journée de prière. Père, au nom de Jésus, que l'esprit de prière nous habite, que l'onction de prière visite chaque personne, Père, et, le trans, et la transporte, mon autre Dieu, dans vraiment des temps glorieux où, Seigneur, tu exauces, où tu agis, où tu seras obligé d'intervenir, Père, au nom de Jésus-Christ. Sois glorifié, notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Je pense que je vais me déconnecter. Amen. Sois béni, Solange. Que Dieu te bénisse. Shalom.